LXXII 72 Aujourd'hui, on travaille les chiffres romains. Non, on n'avait dit pas la toge. Ils n'ont pas l'air comme ça, mais les chiffres romains sont présents dans notre quotidien. On les utilise pour écrire l'heure, les siècles, les millénaires, les numéros des souverains, les numéros d'ordre d'un régime politique, pour numéroter les parties d'un plan pour numéroter les actes d'une pièce de théâtre, ou encore en science, pour noter le degré d'oxydation d'un élément chimique. Alors d'abord, pour indiquer les heures, on retrouve les chiffres romains sur le cadran de certaines montres. Pas toutes les montres, mais certaines, et cela pour des raisons qui tiennent à la fois la tradition puisqu'on écrivait autrefois avec des chiffres romains sur le cadran solaire et puis aussi pour des raisons esthétiques parce qu'on va trouver ça euh, joli d'avoir des chiffres romains sur le cadran d'une montre alors vous devez savoir que même si les chiffres romains sont utilisés au quotidien on n'utilise en général que jusqu'à 20 et donc pour cette raison on va retrouver les chiffres romains sur le cadran des montres ou sur le cadran des horloges. On utilise aussi les chiffres romains pour indiquer les siècles. Par exemple, maintenant nous sommes au XXIe siècle. Le XXIe siècle. On l'utilise aussi pour indiquer les millénaires. Le premier millénaire. Le deuxième millénaire. Le troisième millénaire. On l'utilise aussi pour indiquer le numéro des souverains. Par exemple, Louis XIV. François Ier s'écriront avec des chiffres romains. Louis XIV, François Ier. Pour indiquer le régime politique, on utilise aussi le chiffre romain. Par exemple, actuellement, c'est la Cinquième République. On écrira Cinquième en chiffres romains. Donc, si vous devez écrire sous la Cinquième ou sous la Quatrième en abréviation, vous devrez il faudra utiliser les chiffres romains. Sous la cinquième, sous la quatrième, sous la troisième république. Pour les parties d'un plan, on dit souvent grand 1, mm, mm, grand 2, mm, mm, et on va utiliser les chiffres romains. Ici aussi, grand 1, premièrement, petit a. Grand 2, grand 2, deux, deuxièmement, etc., D'accord Pour numéroter les actes d'une pièce de théâtre, alors si vous lisez du théâtre, vous l'aurez probablement remarqué, ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart, dans la plupart euh, des cas, on va utiliser les chiffres romains pour numéroter les actes. Acte 1, acte 2. Et enfin, pour ceux qui s'intéressent aux sciences, on va utiliser les chiffres romains pour indiquer un degré d'oxydation. Alors, peut-être que vous vous y intéressez, pour vous c'est très clair, pour d'autres c'est peut-être un peu plus abstrait. On va demander au professeur ce qu'il en pense. Le degré d'oxydation, évidemment. Dans une espèce chimique hétéro-polyatomique, composée d'atomes de nature différente, évidemment. L'atome ayant le plus d'affinité avec les électrons. C'est-à-dire le plus électro ouais, c'est bon, degré d'oxydation, on a compris. On n'explique pas plus, ça suffira. Alors, on a vu comment utiliser les chiffres romains. Voyons maintenant comment lire les chiffres romains. Le i signifie 1. Le v signifie 5. Le x signifie 10. Le L signifie 50. Le C signifie 100. Le D signifie 500 et le M signifie 1000. Très bien. Je vais les écrire. Alors, à notre époque, vous devez savoir qu'on utilise essentiellement les chiffres romains pour compter de 1 à 20, ou 22, 23, mais pas plus, c'est comme ça, disons que c'est un usage. Autrefois, jusqu'à une période récente, on utilisait les chiffres romains pour indiquer les dates, dans les musées par exemple. D'ailleurs, ça se fait toujours un petit peu, mais l'usage se perd. Pour simplifier, on utilise les chiffres romains de 1 à 20, 22, 23 maximum. Et donc comment ça fonctionne Eh bien, on ne va jamais mettre plus de trois lettres identiques côte à côte, pour des raisons de lisibilité. On écrira donc 1, 2, 3, de cette manière, mais 4 s'écrira 5 moins 1. Donc on va mettre un 1 avant le 5, un i avant le V, puis 5, le V, et après le 5, après le V. On va pouvoir ajouter jusqu'à trois lettres identiques. 6, 7, 8. Et pour écrire 9, on va faire 10 moins 1. Ainsi, on écrira i, x, qui signifiera 9. 10. Et on continue de la même manière. x plus i, ça va donc être 10 plus 1, 11. 12, 13, 14. On a vu le 4 tout à l'heure. 14. 15, donc 10 plus 5. 16, 17, 18. Et pour 19, on écrira comme ça. X, I et X. 19. C'est-à-dire 10 plus 10 moins 1. 19. 20. Faisons à présent un petit exercice. Alors vous pouvez soit écrire les réponses dans les commentaires, soit vous écrivez des réponses à côté sur un papier. Comment écrivez-vous 2000 en chiffres romains Écrivez 2020 503 161. 172. Alors ça demande un peu de réflexion. Vous pouvez mettre sur pause. Je vous donne la réponse. Vous avez mis sur pause Je vous donne la réponse. l'aviez Dernier exercice, écrivez dans les commentaires en quelle année nous sommes en chiffres romains. Voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Vous savez à présent utiliser et lire les chiffres romains. À bientôt